Guru Vachakakovai. Première partie. Chapitre 2. L'irréalité du monde. Verset 63. Certains affirment « Ce monde sous nos yeux, bien que non permanent, est suffisamment réel. » Nous le nions en disant « La permanence est l'une des marques de la réalité. » » 64. Certains affirment « Bien que divisé, ce monde que nous voyons ne peut être dépourvu de réalité. » Nous les réfutons en disant « La plénitude est aussi une marque de la réalité. » Commentaire de Sadhu Om. Éternel, immuable et resplendissant par lui-même, tous trois avaient l'habitude de déclarer Sri Bhagavan Ramana sont les trois facteurs essentiels de la réalité. » 65. Parce que la nature de la réalité est plénitude, existence rayonnant par elle-même, transcendant le temps et l'espace, les jñānis ne considéreront jamais ce monde comme réel, lui qui est détruit par la roue du temps. » 66. La réalité qui existe comme le complet, qui est universellement agréable, est seule la béatitude éternelle, qui est l'ultime réalité paisible. Ce monde, où les misères abondent, n'est qu'une fausse connaissance du mental qui s'est divisée en différences imaginaires. » 67. Le résultat de l'illusion « Je suis le corps limité » est que le monde, qui n'est rien d'autre que la conscience, est connu comme une seconde entité, séparée de la conscience. » 68. Ce qui est perçu par les sens de ce corps irréel, doit-il être réel ou irréel? Ô mental, inquiet et fatigué par les voies du monde, considère maintenant la chose en profondeur et réponds. » 69. Tout ce qui est vu par l'ego qui, étant tombé du véritable état du soi et ayant été profondément enterré dans la sombre ignorance, prend le corps comme « moi », n'est nullement réel et est simplement inexistant. » 70. Bien que l'apparence du monde semble très réelle et attrayante, elle ne peut apparaître que dans le Chittam, qui est Chit-Abhasa, le reflet de la conscience de soi. Dans la pure conscience du soi, cependant, elle est inexistante. Commentaire de Michael James. De même qu'une image de cinéma ne peut être clairement vue que dans une lumière limitée sur un fond sombre et disparaîtra en plein soleil, de même, l'apparence du monde ne peut être clairement vue que dans la lumière limitée du mental et disparaîtra à la lumière de la pure conscience du soi. La conscience limitée du mental n'est qu'un simple reflet de la conscience du soi,
conditionné comme Chitam, le dépôt des tendances qui agit comme la bobine d'un film dans l'analogie cinématographique. Chapitre 3. L'attrait du monde. Verset 71. Tout comme la barbe de la chèvre vagabonde est remue pour rien, les gens vagabondent gaiement mais en vain, accomplissant des karmas, des actions, pour la satisfaction de leurs désirs mondains, tout en méprisant les disciplines que suivent les aspirants qui conduisent à l'éternel moksha, la libération dans le soi. Ah, quel pitoyable spectacle est la condition de ces gens du monde! Soixante-douze. Désirant ardemment un infime grain de plaisir, les gens travaillent très durement en utilisant le mental pour charruer le champ des cinq sens. Mais ils ne désirent jamais le déluge de béatitude qui est le fruit que produit le charruage du cœur, la source du mental, avec la simple attention au soi. Ah, quelle merveille! Soixante-treize. Le jiva, semblable à la lune, toujours marié au soi, semblable au soleil, devrait toujours rester dans sa maison, le cœur. Abandonner la béatitude du soi et s'égarer pour les plaisirs du monde, c'est comme la folie d'une femme qui gâche sa précieuse chasteté. Soixante-quatorze. Ce n'est que quand l'attrait du monde s'est dissipé que la véritable libération est possible, et son attrait ne peut se dissiper que si l'on constate son irréalité. Par conséquent, essayer d'imposer la réalité à ce monde, c'est être comme un amant passionné qui essaie d'imposer la chasteté à une prostituée. Commentaire de Sadhu Om. Un amant impose la chasteté à une prostituée uniquement à cause de son engouement pour elle, de la même manière que certaines écoles de pensée argumentent et essayent d'insister sur la réalité du monde, uniquement à cause de leur immense désir de jouir de ce monde. Par conséquent, la libération, qui est le fruit de l'absence de désir, leur est absolument impossible. Chapitre 4. L'aridité du monde. Verset 75. Seuls les insensés qui sont illusionnés, prenant à tort ce monde irréel pour réel, et non les jñani, ont de quoi se délecter en dehors de Brahman, qui est la conscience. Soixante-seize. Ceux qui sont enracinés dans la connaissance de la vérité vont-ils s'égarer dans les voies du monde? N'est-ce pas la nature vile et faible des animaux qui s'abaissent au plaisir sensuel de ce monde irréel? Soixante-dix-sept. Si vous demandez « Quel est l'avantage de sacrifier les innombrables plaisirs sensuels et de conserver la seule conscience ?» Nous répondons que le fruit du jñāna est l'expérience éternelle et ininterrompue de la béatitude du soi. Commentaire de Sadhu Om. Toute expérience de plaisir en ce monde est de courte durée et interrompue. Tandis que la béatitude du soi atteinte par le jñāna est éternelle et ininterrompue.
cela est par conséquent le plus grand avantage. En vérité, il n'y a pas le moindre bonheur dans aucun des objets du monde. Comment donc le mental insensé est-il trompé en pensant que le bonheur vient d'eux? Les insensés sont pour l'instant très heureux et fiers de la richesse et du plaisir de ce monde, alors que celui-ci peut à tout moment les abandonner dans la déception et la détresse. Souffrant de la chaleur des triples désirs, tous les êtres vivants errent dans le désert vide et aride de ce monde onirique créé par le tourbillon des tendances passées. L'ombre de l'arbre de la Bodhi, capable de refroidir complètement cette chaleur, n'est que le soi, qui brille comme Turiya, le quatrième état. Commentaire de Michael James. Les trois désirs sont, pour les femmes, la richesse et la renommée. Chapitre 5. Jouer son rôle dans le monde. Verset 81. Réalisant la vérité du soi dans ton cœur et demeurant toujours en tant que suprême, joue conformément au rôle humain que tu as assumé, comme si tu éprouvais des plaisirs et des peines avec les gens de ce monde. Il n'est pas juste que le sage se comporte de manière incorrecte, même s'il a connu tout ce qui doit être connu et atteint tout ce qui doit être atteint. Par conséquent, observe le code de conduite qui convient à ton mode de vie extérieur. Commentaire de Michael James. Cette dernière ligne fait référence aux religions, aux castes, etc.